comment on accueille la mort? Le corps va mourir. Le corps a un début et une fin. Le corps, c'est rien de la mort telle qu'on la conçoit. C'est épeurant, hein? Penser qu'on est le corps et qu'on va mourir. On peut rêver d'ascension, de résurrection, de n'importe quoi. Le corps va mourir. C'est un fait. On est là. Ouais, mais moi, je vais méditer beaucoup et je vais peut-être être capable de m'avoir 10 minutes de... C'est du délai. Tout ce qui est destiné à arriver va arriver. Tout ce qui est destiné à ne pas arriver ne va pas arriver. Point final. C'est un type qui s'appelle Ramana Maharshi qui dit ça. Dans des mots plus sophistiqués, peut-être. En fait, ma question, c'était la mort des gens qui nous sont proches, par exemple. Est-ce que c'est un choix? Un choix? Est-ce que c'est un choix quand quelqu'un meurt? Non. Alors, tu fais quoi avec ça? Comme et tout le reste. L'unité n'est pas la séparation. C'est la seule chose que je peux te répondre. Rien n'est séparé de ce que tu es dans ta vraie nature. Donc, qui peut mourir? Le corps. On a tellement peur de mourir quand le corps va mourir qu'on essaie de le sauver à tout prix. Et en vérité, en le laissant être, ça ne change rien. On est juste moins torturé. C'est ça, en le laissant être, il arrive ce qu'il y a. Même si tu t'imagines faire autre chose, ça va arriver quand même. C'est tout. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas rester tranquille, simplement? On peut voir comment on a peur, hein? On invente plein de trucs, la résurrection, l'ascension, n'importe quoi. On invente un ciel, tellement on a peur de mourir. Que ça qu'on n'accepte pas finalement. Ben oui. Est-ce que la seule peur qu'on a n'est pas la peur de mourir finalement? Est-ce que la peur de mourir n'est pas simplement la peur de ne pas exister individuellement? Là, on vient de régler le problème. Hein? Dans le fond, c'est de ça qu'on a peur. C'est pas de l'ascenseur. On a peur de ne pas exister individuellement. On décide de rien en fait. On décide d'absolument rien. Ça fait mal. Hein? On décide de rien. On est témoin de ce qui arrive. Point final. On décide de rien. Comme le truc du secret. On décide de rien. Tout ce qui doit arriver dans notre vie nous arrive. C'est-à-dire c'est clair. On est responsable de rien. T'es responsable de te regarder. C'est déjà ça.